Laurent, bienvenue à toi, merci d'être ici. Nous sommes dans les studios de People, hein, situés à Paris, une plateforme Twitch qui nous a invités très sympathiquement, nous le Média Limite, pour justement aborder des thématiques importantes avec toi. Alors déjà, j'ai lu ton livre. J'ai lu le livre dans lequel tu as participé, que tu as co-dirigé, Collapsus, une bombe au sens propre comme au sens figuré. Mais avant de rentrer un petit peu dans l'art de ce livre, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à être ici devant nous aujourd'hui et à aborder toutes ces thématiques? Je suis Laurent Hayet et ce qui m'a amené ici, c'est toute une vie, tout un cheminement de vie. Enfant, j'avais demandé à mes parents de ne pas acheter de sapin de Noël. À 6 ans, mon candidat à la présidentielle, c'était René Dumont, mon candidat écologique, écologiste à la présidentielle. Et j'ai grandi dans cette ambiance des années 70, un petit peu anxiogène, à la fois des bombes qui volent au-dessus de nos têtes et qui peuvent tomber à chaque instant de la guerre froide, et des échos du Club de Rome, que j'ai pas lu à 6 ans quand même. Mais je sais pas si tu vois le film La planète des singes. Ouais, si, si. Enfin, c'est quand il voit la Statue de Liberté qui... Ouais, Voilà. voilà. Donc ça, c'est un peu mon enfance. Et j'ai grandi dans une banlieue dans le 93, le 9-3, comme on dit aujourd'hui, dans une tour où j'ai vu la banlieue approcher. Au début, il y avait la tour au milieu des champs. Et au fur et à mesure de mon enfance, j'ai vu la campagne disparaître au Il n'y a plus de profit. chance, c'est fini ça. Ah non, maintenant, il y a une prison. De ma fenêtre, on voit une prison, la prison de Villepinte. Donc voilà, je sais pas, je suis sans doute quelqu'un d'un peu tordu, mais voilà, depuis toujours, j'ai fait ce cheminement-là. J'ai toujours été un petit peu rebelle, j'ai pas adhéré aux valeurs qu'on me vendait partout, si bien que dans les années 80, les années Youpi, Ronald Reagan, etc., je me sentais très en décalage. Moi, j'étais un peu trop jeune pour être un punk, si tu veux. Mais voilà, j'écoutais les Clash quand d'autres écoutaient, je sais pas, genre Michael Jackson ou George Michael, tu vois, des paillettes et des flashs. J'ai fait des études en sciences de la vie pour justement essayer comprendre la vie, comment ça marchait, etc. Je suis d'origine bretonne, je voulais retourner au bord de la mer avec l'idée que plutôt que de piller la mer, on pouvait peut-être un peu mieux l'utiliser. Bon, en cours de route, j'ai compris que je voulais pas être chercheur parce que c'était pas mon caractère. Et j'ai trouvé ma vocation en m'occupant de prévention des risques en entreprise, sur les accidents de travail, sur les nuisances, sur la pollution, etc. Et j'ai fait une des premières formations qui ouvrait à cette époque-là, dans les années 90, en me disant, chouette, les entreprises vont me payer pour que moi je leur rogne les dents et les griffes. Parce que la position de militant qui se plaint, m'intéressait pas, parce que t'es un peu sur la touche. D'être le scientifique qui compte les morts, je trouvais ça trop triste. Donc je voulais être les mains dans le cambouis, essayer de retenir la bête. Voilà. Et tu as fait des études dans le développement durable aussi, tu n'as pas fait pas Alors, une oui, oh formation? là là, j'ai fait une formation à une maîtrise en microbiologie. J'ai fait donc cette formation en santé, sécurité et protection de l'environnement en entreprise. J'ai fait une formation des assureurs américains en risque management. Et j'ai fait un master 2 à Dauphine en développement durable. Ah ouais, t'as enchaîné, hein. Mais Waouh! non, j'ai pas enchaîné parce qu'en fait j'ai fait ça régulièrement. Mon premier diplôme c'est 91, le deuxième c'est 99, le suivant c'est 2006. À chaque fois j'avais besoin d'avoir plus d'arguments pour convaincre. Donc au début j'ai eu une approche technico-réglementaire avec les entreprises dans les usines. Puis à un moment tu rencontres des financiers qui disent, et si on payait juste l'amende? Bah, tu te dis, bon, il va falloir qu'on raisonne finance. Pourquoi c'est intéressant de faire de la prévention? Parce que donc T'as à chaque fois ajouté des cordes à l'arc alors du voilà, coup c'est quand c'est ça. L'idée nécessaire. c'était d'être de plus en plus Parce percutant. que tout ça t'a amené à faire ce fameux livre, Collapsus. Ouais, enfin le livre est encore une Ah échéance oui, j'imagine bien, ultérieure. j'imagine bien. J'avais cette hypothèse en moi, et puis au fur et à mesure que je progressais, cette hypothèse est devenue une conviction. Et puis la conviction, un jour d'un pépin de santé où j'ai eu 6 mois d'arrêt, est devenue une croyance. C'est-à-dire une croyance entre une conviction et une croyance. Une conviction, c'est quelque chose auquel tu crois, mais une croyance, c'est une vue d'une vision du monde qui t'explique le monde. Ouais. Tu vois? Et j'ai beau être quelqu'un qui essaye d'être zététique, tu vois, qui remet en En place le cause, qui doute, qui réfléchit. réfléchit, qui se met en cause. Et donc même cette vision, cette croyance-là, ça m'a fait tout drôle de me voir, d'avoir qu'une explication du monde qui tenait la route, qui expliquait le monde. C'est quoi, c'est l'Anthropocène? L'Anthropocène, alors l'Anthropocène, c'est la mesure de ce qui nous bouleverse, et la croyance, c'est, on va sortir un gros mot, c'est l'effondrement. Boum. Ah ouais. Voilà. Qu'on va devoir Qu'on va expliquer, parce que devoir ça, expliquer. t'es la première personne avec qui on va parler d'effondrement sur limite.
Et je suis ravi de t'avoir là-dessus, parce que vraiment, ce livre que t'as co-dirigé avec Laurent Testo était extrêmement complet. Mais ça fait peur quand on dit ce mot-là, effondrement. Mais on peut avoir peur. Alors d'abord, effondrement, il faut comprendre, c'est un mot très, très, très ambigu. L'effondrement, c'est un peu comme le mot travail. C'est à la fois un processus et à la fois un résultat. Si je te dis, ceci est mon travail, que je te montre ma maison, tu vas imaginer les heures de boulot passées pour payer la maison. Mais si je te dis, non, en fait, c'est mon travail, c'est moi qui ai mis les briques les unes derrière les autres. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, ouais. Si je te dis un effondrement, tu vas imaginer un immeuble qui tombe. Complètement. World Trade Center. Voilà. Et si je te montre un tas de ruines, je vais te dire c'est un effondrement. Tout à fait. L'effondrement, le tas de ruines, c'est le résultat. La façon dont ça tombe, c'est le processus. Ça peut tomber très lentement, ça peut tomber d'un coup. Si c'est un effondrement provoqué avec des explosifs sur une vieille tour de banlieue sordide, plutôt bonne nouvelle. Oui, c'est ça, ça a été maîtrisé. Si c'est le World Trade Center et que toi, tu es au dernier étage, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ouais. Donc c'est important de définir de quoi on parle. Quel processus, quel est l'état de départ, de quoi on parle, et quel est l'état d'arrivée à la fin, sachant que le futur est inconnu, que personne n'en vient, à part dans les romans de science-fiction, personne ne connaît le futur. Donc tous les gens déjà qui nous vendent du futur, moi je suis très gêné avec ça, et donc je suis très gêné avec mon propre discours, puisque je sais, j'ai l'impression de savoir profondément en moi que des choses vont changer de façon radicale, qu'on ne reconnaîtra pas de notre vivant une période à l'autre. Mmh. Et donc, c'est une sorte d'effondrement du passé. Et en même temps, je te dis, le futur, je ne le connais pas. Donc, c'est un peu prétentieux que de te dire que ça va s'effondrer. Tu comprends ma difficulté de tout à coup de m'apercevoir un jour, un matin, me levant. Ça m'est arrivé, enfin, je ne vais pas raconter ma vie dans tous les détails, mais ça m'est arrivé dessus comme un sac qui tombe sur les épaules. Quoi, tu vois. Il y a des gens qui, dans une cathédrale, passent derrière un pilier et rencontrent Dieu. Ben, moi... un jour, je me suis levé et j'ai fait des additions dans ma tête et je me suis dit, tiens, j'ai fait 40 fois le tour du monde en avion pour sauver la planète. Qui est un non-sens un petit peu. C'est voilà, assez... tu vois. Et là, j'ai commencé à faire des additions de tout ce que j'avais fait dans ma vie, de bien, de moins bien, etc., au nom de quoi. Et je l'ai fait après de tout ce que je savais, parce que c'était une vie à récolter des données. Et j'ai fait mes additions que tout le monde peut faire avec un peu de bon sens. Surtout que maintenant, l'info, elle est disponible largement partout. Totalement, ouais. Il suffit d'ouvrir les journaux. Ben alors du coup, première question, est-ce qu'on a dépassé la limite? C'est une question avec laquelle tu fais ce que tu veux, tu réponds comme tu veux, sans référence à d'autres médias. Laurent Testo est avec nous, malheureusement. Il a écrit un livre excellent, mais que je conseille à tous. Meilleur, à mon avis, que Sapiens de Harari, qui s'appelle Le Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, qui montre l'impact environnementale de l'histoire humaine. Je veux dire, en tant que biologiste, je te garantis que toute espèce a un impact sur l'environnement. Je veux dire, une termitière, avant la termitière, la zone est différente qu'après la termitière, une fourmilière. Enfin bon, on peut faire ça avec toutes les espèces. Tu lâches des flûtes, des chèvres sur une île. Ouais, tout est transformé toujours dès qu'à partir du moment où il y a une espèce vivante qui passe, même végétale en fait. Voilà, exactement. Donc, l'histoire humaine, depuis le début, change la planète. Donc à quel moment on a franchi les limites? C'est très compliqué cette question, parce que quand on a inventé l'agriculture, on a commencé à déboiser, on a changé notre environnement, et est-ce que c'était un franchissement de limites ou pas? En France, il n'y a plus de forêt primaire. Alors qu'avant avant l'agriculture, il n'y avait que ça, quoi. Au temps des Romains et des Gaulois, le chêne est un arbre sacré parce que c'est le plus haut de la forêt, la foudre tombe dessus, donc il a l'attention des dieux. Et c'est un lieu de... C'est une plante sacrée, si tu veux. Bon, aujourd'hui, des chênes qui attirent la foudre pour devenir au point qu'on en fasse des fétiches... C'est ça, parce qu'on voit un peu le paysage aujourd'hui. Forcément, on n'était pas dans le passé pour voir le paysage avant, mais il n'avait rien à voir, en fait. Voilà. Donc déjà, et c'était avant, parce qu'on dit souvent, et on en parle beaucoup sur les mythes, que pétrole, gaz, charbon a accéléré la chose, mais c'était bien avant ça, déjà, qu'on avait transformé tout le paysage et tout l'environnement. Tout à fait. Si tu te balades en Europe, les paysages n'ont rien à voir avec les paysages de nos ancêtres. C'est à ce moment-là qu'on a commencé déjà... Franchir des limites Mais quelle limite? Qu'est-ce que c'est la limite? C'est, encore une fois, c'est comme le mot effondrement, il va falloir définir la limite. Quand un sportif bat son record, il a franchi une limite? Ben non, puisqu'il a réussi à battre son record, c'était donc pas une limite, c'était une limite à un moment, mais la fois suivante, il devra encore battre ce record, donc c'est encore une autre limite. Mais qu'est-ce qui se passe s'il il franchit une limite qui fait que... Il a dépassé la limite de son corps et il se blesse définitivement. À Marathon, le premier marathonien, c'est un messager envoyé de la bataille de Marathon. Il est mort en donnant son message.
Aujourd'hui, il y a des gens qui enchaînent trois marathons derrière, les uns derrière les autres, les gens qui font des Ironman et des choses comme ça. Ah ouais. Donc, pour l'un, c'est une limite, pour l'autre, ça ne l'est pas. Mmh. Tu comprends ? Donc, parler d'effondrement, parler de limite, etc., demande une définition très précise des termes de façon à ce que chacun comprenne de quoi on parle. Donc, si la limite, c'est est-ce que la façon dont on vit aujourd'hui, avec la philosophie, les paradigmes, les croyances qu'on a à notre époque aujourd'hui, mmh. et aujourd'hui, c'est les nôtres, alors on pense qu'ils sont les meilleurs, mais il suffit de se décaler, de se dire bah, au Moyen-Âge, ils vivaient avec d'autres visions du monde, dans l'Antiquité, ils vivaient avec d'autres visions du monde, et ils pensaient bien sûr que c'était les leurs. La meilleure. La meilleure. Donc, on peut relativiser et se dire bah, que notre vision d'aujourd'hui peut être mise en question, et que nos façons de penser peuvent être mises en question, surtout si la réalité autour de nous change. Je veux dire, aujourd'hui, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Si demain, il faut faire comme 1 milliard d'êtres humains sur Terre 7 km pour aller chercher de l'eau potable, ta vie et ta vision du monde changent. Oui, totalement. Et puis la corne sous tes pieds aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais alors du coup, justement, effondrement, y a ton livre qui en parle. C'est vraiment une notion qu'on retrouve de plus en plus, qui est expliquée sur YouTube avec pas mal de vidéos. Hein. On demande des vidéos post-apo, tu vois. Effondrement, c'est post-apocalyptique, en quelque sorte. Ouais. T'es là, tu te balades avec ton sac à dos, tu cherches une source d'eau. Et il y a de plus en plus, aujourd'hui, on a démontré qu'il y a de plus en plus de films et de séries post-apocalyptiques qui sortent. C'est comme s'il y avait cette curiosité humaine, tu vois, ce voyeurisme de se dire, oh, on va regarder une série où tout s'est effondré, ce serait trop bien à voir et tout. Ouais. Et elles sont en recrudescence de plus en plus, des jeux vidéo qui racontent de ça, de la littérature qui parle de ça, des séries et des films, comme je t'ai dit. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on est dedans ? Est-ce que c'est ça ? Alors, moi, encore une fois, je ne viens pas du futur, je ne sais pas ce que te dire ce que ouais, sera demain. Ouais, mais tu as récolté les données, tu m'as dit toi-même. Ouais. Les données sont quand même sans appel sur beaucoup de choses. Je prends un peu mes questions là, comme ça. Prenons les données scientifiques. Tu habites au Bangladesh, sur une terre qui est à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Mmh. C'est une terre qui est très fertile, tu cultives du riz. Mmh. Eh bien, on sait que... Tout le monde s'alimente avec ça au Bangladesh. Donc, voilà. Donc, tu sais, et tu regardes la carte du Bangladesh. Donc là, ça, c'est de la géographie. On est dans le dur, là. Je veux dire, ouais, la hauteur par rapport à la mer, c'est incontestable comme fait. Ben, tu sais que tu as un tiers du pays qui va être submergé, un autre tiers qui ne va pas être submergé, mais dont la mer sera tellement proche... et sera tellement gouffré qu'on risque d'avoir une salinisation des terres, etc. Donc on ne va plus pouvoir faire pousser en plus. Ou on va falloir faire d'autres choses que ce qu'on pouvait y faire, par exemple de l'aquaculture ou tu vois, autre chose. Et puis le reste, c'est des hauteurs qui sont moins fertiles, peut-être même stériles, sur lesquelles vont se réfugier les communautés humaines. Mmh. On sait aussi, et ça c'est un peu de géopolitique, il suffit d'ouvrir n'importe quel bouquin, qu'autour, il y a l'Inde, qu'au Bangladesh, on est musulman, que l'Inde autour, elle est hindouiste, et qu'en ce moment, hindouiste et musulman, c'est pas le grand amour. Voilà. Et donc, si le pays disparaît un peu, ça va devoir bouger, et ça... Ça va créer quelque chose. Quoi ? Alors après, on peut imaginer des guerres, l'Inde est en train de construire un mur, ou a construit un mur tout autour du Bangladesh pour éviter de les retenir. Ok, mais quand il y a des millions de gens qui veulent traverser un mur... finissent par trouver un trou hein, pour passer. Enfin, c'est quand même difficile de stopper tout ça. On peut imaginer que les gens vont finir par s'entendre ou on peut imaginer que les gens vont s'entretuer. Mais ce n'est que de l'imagination. Ce sont des scénarios. Moi, dans mon métier, je t'ai dit que je faisais de la prévention des risques. On a l'habitude de poser des scénarios. Tu vois, est-ce que je peux tomber de ma chaise ? Oui, non. Et est-ce que la chaise est stable ? Oui, non. Et en fonction de ces scénarios, essayer de probabiliser le scénario, sachant qu'une probabilité même de 99,99 n'arrive pas forcément. Mmh. Et sachant qu'un scénario de 0,0001 peut arriver. Donc c'est pas parce que c'est le plus probable que ça arrive, et c'est pas parce que c'est le moins probable que ça ne va pas arriver. Tu vois, c'est compliqué cette science du futur. Donc tu fais des scénarios, et puis tu regardes, et tu te dis, bon, ok, il y a des enjeux qui sont clairs, des risques évidents. On devrait faire des choses. On devrait se préparer, et si ça n'arrive pas, tant mieux, bonne nouvelle. Je veux dire, je mets ma ceinture. Quand je monte dans une voiture, je mets ma ceinture. Tu mets ta ceinture, tout le monde met sa ceinture. On n'a pas prévu d'aller se foutre dans un platane, que je sache. Enfin, en tout cas, moi, c'est clair. Donc, je mets ma ceinture quand même, si tu veux. Et ben, ce livre, Collapsus, a été écrit pour que les lecteurs se disent, ok, ça, c'est des faits. Je refuse de dire, le monde sera comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne me reconnais pas dans le mot collapsologie, étiquette, parce que derrière, qu'on soit pour, qu'on soit contre, chacun a encore une fois son interprétation. Et sa définition, bien sûr. Voilà, donc moi, je ne sais pas le futur, donc je dis, le monde va se transformer de façon radicale, autre chose va arriver,
Après, on peut discuter. L'homme sera là, l'homme sera pas là. On aura vitrifié, dans un dernier geste d'orgueil, la planète à coup de bombe nucléaire. On vivra un peu moins bête parce qu'on aura vu sentir le vent du boulet et on sera devenu un peu moins stupide. Peut-être tout est... Tout ça, c'est des scénarios. Oui, c'est parce que tu parles un petit peu aussi de la doomsday clock, quoi, l'horloge de l'apocalypse. Mais oui. Que les scientifiques, c'est en plus des scientifiques qui ont défini ça, qu'on est à minuit moins une avant qu'il y ait quelque chose qui pète à un endroit. Beaucoup de gens ont cru que le Covid, en tout cas dans la communauté collapsologue, ont cru que le Covid, cette pandémie, était le faux poudre, le début, ouais. Quelque chose qui allait enclencher. Mais peut-être que c'est le cas, en fait. Peut-être qu'on ne sait pas, mais que ça a été voilà, le cas. Voilà, exactement. Mais peut-être que la crise financière de 2008... avec l'accumulation exagérée de dettes et la montée en puissance des inégalités inacceptables pour les populations, va être un déclencheur. Peut-être que la crise pétrolière des années 70 et 80, les deux chocs pétroliers, étaient un signe annonciateur qu'on ne pourrait pas délirer de faire accomplir toute notre volonté parce que le pétrole était là en quantité limitée. Tu vois, où est le moment où on s'est dit on a franchi la limite ? Très difficile c'est qu'à partir du moment où il y aura vraiment une transition complète, qu'on dira, on un passage d'un état à l'autre. Les historiens qui te disent, les Romains se sont effondrés et ils ont mis un siècle. Oui, c'est ça, ils ont mis un siècle, exactement. Donc peut-être que les historiens plus tard diront, ça s'est passé en 2000 en fait. Mais, peut-être définir 2000. Mais je vais te retourner le cerveau, on est des Romains. Tu parles le français, qui est une langue romane, issue du romain, dans, t'as des origines méditerranéennes, mais les Romains étaient aussi... Moi, perso, j'ai des origines ouest-africaines. OK. C'est pas grave, c'est pas loin, t'inquiète. OK, mais les Romains étaient en Afrique du Nord, totalement, etc. Totalement, bon, on est à des Romains, quelque part. Tu vois ? Alors, est-ce que les Romains sont effondrés ? Ils n'ont pas été balayés de la carte Du jour au lendemain, c'est fini, ciao, au revoir, bonsoir. Un peu ça, en quelques années, ça s'est terminé. Oui, mais... Non, on est les enfants des Romains. On est eux. Donc, quoi, ça veut dire quoi, peut-être dans 10 000 ans, s'il y a toujours des scientifiques ou une nouvelle espèce tout d'un coup intelligente qui sera là, ils vont dire tiens, l'Empire romain s'est étendu de moins 757 à plus. 2500 par exemple. Bah oui, en se transformant en différentes mutations. Ouais, voilà, que ce serait défini sur une manière de fonctionner, une manière de vivre. Voilà, peut-être, c'est parce ça. Que. Voilà, à cette époque aussi, il y avait des élites, c'était des élites qui tenaient une armée, et il y avait les paysans qui étaient majoritaires, et c'était un petit groupe qui maintenait un gros groupe. C'est la même chose aujourd'hui, en fait. Oui, donc tout dépend. Ça n'a pas changé. Voilà, donc tu vois, des petits groupes qui maintiennent sous pression les autres. Exactement, donc tous les mots dépendent de la définition qu'on leur donne. D'accord. Donc c'est là où il est très important, avant de se jeter, d'entendre des gros mots et de se jeter en panique sur ces mots parce qu'on en a une interprétation, il est important de rentrer dans le détail des choses et de comprendre concrètement les enjeux qui sont derrière et de chaque mot, quelle est leur définition. La disparition d'une civilisation, qu'est-ce que ça veut dire? Les Mayas et les Aztèques, ils existent encore ou pas? C'est qu'il y a une colonisation, qu'il y a eu plein de choses et qu'il y a eu un brassage... Tu vas au Mexique, que tu regardes les Mexicains de base... Ah, ils sont encore là. Tu vois pas des Espagnols. Ouais, complètement. Tu vois des Indiens. D'Amérique. Du Mexique. C'est leurs ancêtres. Leurs ancêtres étaient les Aztèques. Moi, j'ai été au Brésil. On imagine des bimbos des plages de Rio. Le Brésilien de base, il y a des endroits, il y a beaucoup de métissage, mais il y a des endroits, tu reconnais l'Indien d'Amazonie. C'est se voit, quoi, physiquement. Ils n'ont pas disparu. Donc, est-ce que l'effondrement signifie qu'on va être nettoyé comme une assiette à la fin d'un repas? Non, mais est-ce qu'on sera encore 8 milliards, quoi? Ah, mais encore une fois, est-ce que c'est intéressant qu'on soit 8 milliards? C'est l'objectif de l'humanité d'être 8 milliards? Il n'y a pas eu une la seule convention derrière, qui a dit ça. Que tu me poses, la question que tu me poses, c'est comment de 8 milliards, on va passer à autre chose? Oui. Est-ce qu'on va arriver à 10 milliards ou est-ce qu'on va arriver à... Est-ce que c'est intéressant d'être 10 milliards, de gens qui crèvent la dalle ou 3 milliards de gens un peu plus intelligents, un peu plus éduqués, qui se partageront les richesses et qui vivront mieux? Et comment on arrive à ce résultat? Ah oui, parce qu'il peut être drastique comme il peut être lent. Ou discuter, négocier, ou subir. Toi, tu penses que c'est quelque chose... cette idée de... Tu as mesuré les chiffres, tu vois de quoi il en retourne. Pour toi, on est trop sur Terre, globalement, concrètement? Je suis biologiste. Alors, le nombre d'individus dépend du stock de ressources. Ouais. Donc, il n'y a pas trop ou pas assez. La question, c'est les ressources. Est-ce que les ressources soutiennent la vie des individus qui vivent de ces ressources? Et résultat des courses?
Bah, tous les scientifiques te disent qu'on a dépassé beaucoup de limites planétaires et qu'il faut s'attendre à un réajustement de la population. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est un réajustement de la population si on décide de faire tous moins d'enfants ou qu'on en fait moins parce que les conditions sont un peu plus difficiles et que quand même c'est mieux de se restreindre et qu'on fait ça de façon décidée et assumée. Oui, parce que s'il y a une guerre, il y a moins d'enfants. Non. Ça, c'est un moyen de régulation. C'est un moyen de régulation. Mais il y en a d'autres. Mais ce moyen de régulation, les gens se disent regarde, les gens se disent, je suis en temps de guerre, j'ai d'autres chats à fouetter que faire des gosses. En Italie, il n'y a pas eu de guerre. Non, effectivement, oui. En Allemagne, il n'y a pas eu de guerre. Mm-hmm. Il y a moins en moins d'Italiens, il y a de moins en moins d'Allemands. Ouais. Parce que en Europe, tout court, alors. En Europe, tout court, en moyenne. Oui. En France, on vient de rentrer dans cette phase aussi. On a tous décidé, il y a une décision commune, donc une décision de personne et de tout le monde à la fois, d'avoir moins d'enfants. Ça a été prouvé parce que par notre développement. Je veux dire, exactement. Est-ce que c'est pénible à vivre? Ça a des conséquences, ça transforme nos habitudes, il va falloir s'adapter, ça entraîne des difficultés. Mais est-ce que ça a été une grande souffrance? C'est pas non, une guerre. Non, effectivement. Tu vois? Donc, parler de démographie ou de diminution de la population, pour moi, ça veut rien dire ce mot. Mm-hmm. C'est comment est-ce qu'on négocie ça? Est-ce qu'on fait à la chinoise en disant un enfant et puis ça crée des situations difficiles, des déséquilibres démographiques, etc. Est-ce qu'on éduque les femmes en leur disant 12 enfants, est-ce bien raisonnable, est-ce bien nécessaire? Elle a dit, mais moi j'en ai jamais voulu 12. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, il y a aussi l'accès au moyen de contraception. Exactement, à l'éducation. Et c'est facile. C'est dans une société qui a subi un développement. Encore une fois, le mot développement est piégé. Qu'est-ce que ça veut dire développement? Est-ce que ça veut dire avoir une éducation, accès à des moyens de contraception, à manger tous les jours? Ça peut être un développement militaire aussi. C'est avoir 14 bagnoles, 12 écrans plats? C'est comme ça que c'est considéré pour l'instant. Donc, avec moi, on va avoir des discussions compliquées parce que chaque mot qu'on va utiliser est une mine qu'il faut désamorcer parce que chaque mot a un sens. Et on est dans une civilisation, en plus, qui essaye de perdurer dans son être et qui va fausser tous les mots pour essayer de conserver... Neutralité carbone, développement durable, voilà, croissance verte... Etc. Voilà. Tout ce bullshit, là. Et tous ces mots-là sont capturés. Et donc, transition énergétique, c'est fabuleux, ce mot transition énergétique. Jamais l'humanité n'a fait de transition énergétique. Alors, pour expliquer aux gens, la transition énergétique, imaginez dans l'imaginaire des gens et comment ça s'explique, c'est qu'on est passé du bois au charbon, du charbon au gaz au pétrole au nucléaire. Et du nucléaire aujourd'hui aux énergies renouvelables. Aux éoliennes, aux énergies renouvelables. Donc, il y a une transition, c'est de mieux en mieux. On passe de l'un à l'autre, ouais. Sauf que, soyons factuels, revenons à la réalité. Sortons du mot, du logos, et regardons la réalité, parce que c'est la réalité qui nous fait vivre. Hein. On vit dans les représentations que notre cerveau nous donne, et on croit que c'est ça la réalité, mais la réalité, c'est pas du tout ça. Je peux penser que la porte est ouverte, foncer, et si elle est fermée, je vais vite me rendre compte que ma représentation du réel était fausse. Tu vois? Donc, que dit le réel? Le réel, il dit, on n'a jamais brûlé autant de biomasse qu'aujourd'hui. On est 8 milliards. Hein. Il y a des grandes zones du monde où les gens, ils chauffent leur nourriture avec du bois qu'ils ont ramassé. Donc, on n'a jamais brûlé autant de biomasse. On transforme des centrales énergétiques à la biomasse aujourd'hui en France. Et c'est des forêts entières qui vont passer dans le... Principalement du bois, quand tu parles de biomasse. Du bois, mais je connais un petit village où ils ont décidé qu'ils allaient planter des haies, qu'ils allaient tailler les haies, et que les tailles de haies allaient chauffer la chaudière de l'école. Ah ouais, ok, d'accord. C'est bien. Ok. C'est plutôt pas mal, tu vois. Ouais. Donc, je suis ni pour ni contre. Je dis, regardons dans le détail, tu vois, il n'y a pas de position de principe. Mmh. C'est ça qui est terrible. Ouais. Du coup, c'est facile de tirer à soi la corde. Je peux être un lobbyiste du pétrole et dire le pétrole c'est nécessaire. Bah, bien sûr que c'est nécessaire. Attends, je suis venu à pied. Bon, mauvais exemple. Mais tes chaussures ont nécessité du pétrole. Voilà. Donc on ne va pas arrêter le pétrole du jour au lendemain. On peut jeter des œufs sur la façade de Total, mais en attendant, on fait tous notre plein. Globalement, à un moment dans l'année, on a fait notre plein. Donc tu vois, c'est compliqué de chercher un coupable dans tout ça. Mais tu dis qu'on n'a jamais consommé autant de bois. Oui, donc on n'a jamais consommé autant de bois. On n'a jamais consommé autant de charbon. Parce que charbon, si je te dis charbon, t'imagines les locomotives à vapeur. J'imagine la région de Charleroi en Belgique qui a été fermée. On se dit c'est avant quoi le charbon. Ouais, c'est ça. Bah moi j'ai travaillé chez Alstom jusqu'en 2016. Mm-hmm. On vendait à l'époque une centrale à charbon par semaine. Une centrale à charbon par semaine que vous vendiez. Voilà. Centrale électrique à charbon. Centrale électrique à charbon. Ça se vendait autant encore? Bien sûr. En quelle année tu bossais là-bas? Je suis parti en 2016. Ah ouais, donc en 2016 on vendait encore une centrale à charbon par semaine. Hein. Ce genre d'équipement c'est 30 ans. Donc, tu l'installes et tu comptes dessus pendant au moins 30 ans. OK. Donc, en 2016, on installait... Une centrale à charbon par semaine, dans le monde, j'imagine. Dans le monde, oui. Dans des pays en développement qui aimeraient avoir l'électricité.
Et tu peux en vouloir aux gens d'avoir envie d'avoir l'électricité ? Ah non, pas du tout. C'est nécessaire pour leur développement et l'éducation. Et quand tout, un père de famille dit « moi j'aimerais la lumière pour que ma fille puisse faire ses devoirs », qu'est-ce que tu veux lui répondre ? Oui, il a raison, clairement. Parce qu'elle sera éduquée et peut-être qu'elle ne fera pas 12 enfants parce que, tu vois, elle saura tenir tête à son mari. Ouais. C'est là où on a besoin de s'arrêter, de regarder le réel et de réfléchir. C'est pour ça que Collapsus est une très, 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 très modeste contribution à arrêtons-nous, réfléchissons, regardons les fonds, les faits comme ils sont et arrêtons de courir derrière le dernier slogan publicitaire qui passe. Pour revenir à l'effondrement, tu vois, on parlait d'effondrement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un bâtiment qui s'effondre, etc. On parle quand même qu'il y a un effondrement des espèces vivantes, animales et végétales. Ok. Et là, c'est indéniable. Là, la science l'a démontré, l'a prouvé. Et c'est déjà en cours, c'est déjà fait. Mais là, tu viens de définir de quoi tu parles. Tu parles de l'état avant, une époque, le nombre d'espèces, la variété des espèces, la diversité, la biodiversité des espèces. Donc il y a des gens qui ont été dans les champs et qui ont compté les espèces. Voilà. Et qui disent, bah, on est passé de temps à temps. Et c'est un effondrement. Moins 30% des 300 millions d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans en Europe. C'est une extinction, on parle de C'est la sixième extinction. Oui. Et c'est avéré. C'est chiffré, c'est mesuré. Donc là, on peut dire, oui, il y a un effondrement de la biodiversité et c'est problématique. Pour donner une image pour les gens qui ne comprennent pas l'importance de la biodiversité, c'est t'es dans un hamac. D'accord ? Et tout ça, ce réseau de mailles qui te soutient, c'est ça la biodiversité. C'est la relation, par exemple, un éléphant. Qu'est-ce que c'est un éléphant ? C'est toute une interaction avec les trois ordres. Le vivant, le végétal, enfin l'animal, le végétal et même le minéral. Parce qu'un éléphant, quand il passe dans la savane, il te fait une trouée d'autoroute qui sert à toutes les migrations des zèbres, des gnous, etc. Parce qu'à travers les broussailles, c'est les éléphants qui ont tracé la route. Sans les éléphants, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as plus ces migrations qui sont aussi faciles pour les autres espèces. Tu comprends ? Donc c'est un impact sur d'autres espèces vivantes. D'autres espèces. Donc tu supprimes l'éléphant parce qu'il a des belles défenses et que toi, tu as envie d'avoir un collier avec des perles en ivoire. Très bien. Tu as supprimé ce fabricateur d'autoroutes pour des migrations animales. Tu as, au passage, même changé le système minéral de la région, puisque quand ces espèces-là passent, elles font ce qu'on appelle des coupe-feu, c'est-à-dire des trouées. Mmh. Et quand il y a un feu de savane, là où sont passés les éléphants, tout est piétiné, écrasé, etc. Ça protège le reste, puisque ça empêche le feu d'avancer, de traverser, pour passer de l'autre côté. Et les feux, la cendre, quand tu reminéralises la nature, tout ça, ça a un impact. Donc, t'imagines, t'es dans ton hamac, t'es soutenu par des abeilles. Là, on vient dans. Là, avec l'éléphant, on vient d'en couper une. Tu viens d'en couper une. Tu tiens toujours dans ton hamac. Mmh. Mais comme tu aimes bien manger de l'agriculture productiviste, eh bien, tous les insectes sont crevés. Donc, 30% des plantes qui... Je parle sous couvert de... À cause des Monsanto, etc. Voilà, c'est ça que tu veux dire, quoi. À cause d'une culture qui ne résonne pas en termes de conséquences. Pesticides, etc. Tu supprimes 30% de la pollinisation de toutes les plantes. Tu ne manges pas que des plantes qui ont été pollinisées par des insectes, mais tu les supprimes de ta liste. Tu as coupé quelques liens. Ces plantes, elles favorisaient la croissance d'autres choses, des champignons dans le sol, d'autres insectes, même des animaux. On est en train de remarquer que les renards qu'on abat, parce que c'est soi-disant des nuisibles, ils bouffaient des rongeurs. Les rongeurs qui étaient porteurs de la maladie de Lyme. Mon père a eu la maladie de Lyme, je te le conseille pas, évite si tu peux. Au Moyen-Âge, on parle des tiques qui transmettent ça. Voilà, c'est des tiques. Donc tu bouffes. Il n'y a plus de renards. Les renards ne mangent plus les souris prolifèrent, les tiques prolifèrent, tu te retrouves avec la maladie de Lyme. Plus de gens avec la maladie de Lyme. Voilà. Tu as encore coupé un truc. Tu coupes des liens. Eh bien, à un moment, ton hamac, quand on a coupé trop avec ton poids, ton impact à toi sur le hamac. T'as besoin de couper le reste pour que tu t'effondres. Il va se passer quelque chose. Mmh. Et c'est le grand problème de tous les biologistes que je côtoie par mon intérêt. Je dis, j'ai fait une formation, etc. À la base, j'ai ce genre de formation. Sont à la fois émerveillés et désespérés de voir à quel point le hamac est résistant. Émerveillés parce qu'ils se disent « ouf, ça tient », mais désespérés parce que du coup, comme ça tient, personne ne bouge. Parce qu'on se dit « c'est quoi le problème ? Attends, quand j'étais jeune, je passais dans les champs en bagnole, au bout d'une heure, il fallait que je nettoie mes carreaux, maintenant je fais tout le mois d'août dans les champs, je peux retourner au boulot, j'ai rien à nettoyer. » Ce que tu dis là est totalement... C'est tout le monde peut en faire l'expérience, quoi. C'est concret, tu vois, je suis pas en train de délirer. Ça ne change rien à ta vie au quotidien. Ça ne change rien à ta vie au quotidien. Donc, tu es toujours allongé dans ton hamac peinard. Mais à force de couper des mailles, on peut se dire qu'à un moment, il va se passer un truc.
Quoi ? C'est ça là qui est compliqué. D'où ça viendra ? Parce que ça peut venir de plein de choses. Ah bah c'est tes fesses qui vont peut-être passer au travers, ou ta tête, ou tes pieds. Mais un Covid est une résultante de ça. Alors, pas encore avéré et prouvé. Il y a plein de théories, hein, que c'est sorti d'un labo de Wuhan. Oui. Sans être complotiste, hein, même les Américains en parlent. Bien sûr. Bon, ok. Je dirais, on ne sait pas bien l'origine, ça peut être une épizootie qui est devenue un virus qui était dans des animaux, qui est passé à l'homme. C'est aussi une possibilité. La peste noire, c'est comme ça que c'est venu, hein, sur les plateaux tibétains. Mmh. Il y a eu un changement un peu climatique qui a permis une prolifération des rongeurs. Et puis, comme il y avait les routes de la soie qui passaient par là, pop. Ça grimpe et c'est parti, et on balance. Voilà. Ce qui est certain, on est dans une société mondiale interconnectée, très rapide. Une société de flux. Qu'est-ce que tu entends par une société de flux ? Moi, un flux, je pense à une canalisation. Voilà. Mais combien de temps il faut pour aller à Shanghai et revenir ? Aujourd'hui, je vais à l'aéroport, là. Aller-retour, moins de 24 heures. Un peu plus, 15 heures avec... Moins de 24 heures, oui, moins de 24 heures. Pour y aller, pour revenir... Aller-retour, ça dépend combien de temps je reste sur place, mais voilà. Moins de 24 heures, c'est possible de le faire, c'est là. C'est ça. Tu serais appelé Marco Polo, il t'aurait fallu combien de temps ? Ah, purée, des mois, des années. Des mois, voilà. Eh bien, on est dans une société de flux, où les flux sont extrêmement intenses. Et puis, au temps de Marco Polo, on était beaucoup moins nombreux. Des Chinois, des quarts de Chinois, il y a encore pas très longtemps, il y en avait plein. Et nous-mêmes, on a été... on peut avoir à aller visiter la Chine si on en a envie. Mm-hmm. Jusqu'à peu. Hein, oui, bien sûr. Ouais. C'est bizarre, maintenant, on ne peut plus faire. Mais bon. cette société qui est dense, qui est interconnectée, toutes les régions du monde sont interconnectées, et où les flux sont extrêmement rapides... Dès que tu as un impact quelque part, cet impact se diffuse très rapidement partout. Et ça, c'est nous qui l'avons créé. Quand tu as des élevages industriels de masse et qu'on est obligé de picouser toutes les bestioles avec des antibiotiques pour éviter justement que ça devienne un foyer infectieux et que ça parte dans tous les sens, c'est bien parce qu'on veut éviter qu'on foute le feu à la maison de paille, si tu veux. Mmh. Et ça, c'est nos décisions. Alors, accumulées les unes derrière les autres. Personne n'est responsable de toute cette accumulation de décisions. C'est l'histoire qui nous amène à prendre toutes ces décisions. Mais ça ne nous empêche pas de dire « Ok, on en est là, est-ce qu'on continue ?» Ou tu vois, tu vas au casino, tu vois que tu perds, tu continues ou tu t'arrêtes ? Ben là, on a des scénarios qui se dessinent, avec des probabilités qui se dessinent. Et la question, c'est, on continue ou on s'arrête ? Parce que c'est tellement bien ce qu'on est en train de vivre. Je veux dire, regarde, moi demain, enfin, je ne peux plus parler pour mon cas, mais pour mon cas, peut-être il y a quelques années, je veux dire, je peux partir au Japon, j'ai les moyens. Tu pouvais partir au Japon. Je pouvais, effectivement, voilà. Je peux m'acheter le casque quand j'ai envie, je peux manger ce que je veux au moment où je veux. Ouais. Je suis dans une ville, ouais. J'ai envie tout de suite d'avoir un hamburger à l'avocat, ça m'est possible. Mm-hmm. Ce qui n'était pas possible forcément il y a 40-50 ans. Ou en tout cas, beaucoup moins accessible, et qu'aujourd'hui, littéralement, je peux me faire plaisir à tous mes caprices possibles et imaginables. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit un truc, un confort aussi, aussi dingue. Mais c'est quoi ? On a un prix à payer ? Il y a un prix à payer ? Ah bah, il y a un prix à payer. Aujourd'hui, si on prend l'énergie qu'il y a autour de toi, qui est mobilisée pour te faire ces services, pour te rendre... Juste pour nous enregistrer dans ce moment. Voilà, par exemple, rien que la lumière. Il y a des centrales nucléaires, etc., etc. Bah, du temps de ma grand-mère, tout ça, ça n'y était pas. Donc... Tout ça, ça a un prix. C'est la quantité d'énergie que la civilisation peut mobiliser pour te la mettre, te la restituer. Basée sur des ressources. Basée sur des ressources. Quel que soit le service que tu reçois, il y a toujours des ressources qui sont consommées. Mmh. Et donc ça, quand tu parles de flux, c'est que forcément, pour avoir tout ceci, ça a demandé des flux entre notre pays et la Chine, Taïwan, Afrique du Sud... Les matériaux de tel endroit. Les matériaux et les énergies. Voilà, et à flux rapide, donc c'est rapide, c'est en 85% de l'énergie qu'on consomme est encore fossile. C'est pour ça que je parlais de la transition énergétique qui est une escroquerie, parce qu'on se dit, ah ben on va passer du feu de camp de l'homme de Néandertal à des panneaux solaires. C'est ça la transition énergétique, comme on nous la vend. Mais on a des panneaux solaires en plus de toutes les énergies qui n'ont jamais cessé de croître. Oui, c'est ça, parce qu'on nous vend pour l'instant, et même les compagnies énergétiques vendent qu'à un moment donné, on va garder, bon aujourd'hui ça discute, on garde le nucléaire, mais qu'on va arrêter d'utiliser tout le pétrole, tout le gaz, tout le charbon. Et je vois très bien de quoi tu parles au niveau du mix énergétique, c'est vraiment un gros graphique assez impressionnant de choses qui sont cumulées les unes derrière les autres. Et donc forcément, cette image-là, on a plus l'impression que les petites tendances nucléaires, petite tendance de renouvelable, va reprendre tout le reste. Bien sûr. Est-ce que c'est possible, ça, ou pas ? Attends, je te pose la question. Est-ce que tu es capable, rapidement, de remplacer 85% de quelque chose qui t'est vital
par quelque chose qui est la ligne du trait. Bah, tu vois, parce que sur ta question, je suis juste en train de me dire combien de temps ça a pris pour atteindre ces 84%. Et je me dis, c'est possible, mais le temps qu'il faut, il est impressionnant. Enfin, bon, tu vois, déjà, tu sens qu'il y a un problème de rythme, de délai et ah oui, de mise en œuvre. C'est 200 ans pour arriver à 84%. Okay, voilà. Et donc, il faudrait arrêter les émissions de gaz à effet de serre là, tout de suite, maintenant. Déjà. Déjà, il aurait fallu de le faire dans les années 80, mais bon, on ne revient pas sur le passé. Et tu es en train de me dire qu'il te faut 200 ans pour le faire. Dans 200 ans, on est cuit. Donc, au sens propre. Oui, donc on peut pas raisonner comme ça. Et toutes ces ressources, en plus, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que toutes ces nouvelles ressources servent, il y a une synergisation entre les énergies. Je t'invite à lire « L'énergie du déni » de Vincent Mirot. Par exemple, pour sortir du pétrole en Arabie Saoudite, t'as des pompes, t'as besoin d'énergie. Autrefois, on avait le pétrole sous la main, on utilisait le pétrole pour sortir du pétrole. On est d'accord ? Au tout début de l'histoire du pétrole, il fallait un baril de pétrole pour sortir 100 barils de pétrole. Facile. Aujourd'hui, d'après différents calculs, on est à peu près à 1 pour 14. On est passé de 1%, donc on investit 1 baril pour en récupérer 100, et là maintenant on en met 1. Ça dépend des champs, ça dépend des types. Des endroits et des lieux, mais c'est pas beaucoup, c'est une moyenne ça, mais c'est pas beaucoup ça. Voilà, 1 pour 14. C'est TRE, taux de retour. Taux de retour sur énergétique. Oui. D'accord. Donc qu'est-ce que font les gens ? C'est beaucoup moins. Qu'est-ce que font les gens ? On est en Arabie Saoudite. T'es un exploitant pétrolier intelligent, tu te dis, je vais mettre des panneaux solaires, et mes pompes qui sortent du pétrole, elles vont utiliser les panneaux solaires. Et est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne très très bien. Donc tu as des panneaux solaires qui servent à sortir du pétrole, mais pas qui remplacent du pétrole. Oui, voilà. Parce que ton pétrole, il a une valeur, ça sert à faire bouger des voitures. Oui, panneau solaire, tu ne feras jamais bouger une voiture en mettant un panneau solaire sur ta voiture. C'est ça. Donc, tu vois. Ou très très lentement. Et très très léger. Et très très léger, quoi. Tu renverras la voiture pour que ta famille vienne te rejoindre un par un. C'est ça, exactement. Au bout d'un mois, quoi. Hein, voilà. Ouais, et la nuit, tu oublies. Et voilà. Donc déjà, c'est une problématique. Oui, et puis forcément, le pétrole, on fait des cosmétiques avec, on fait des semelles de chaussures. Des routes. C'est ça. Le panneau solaire, il ne fait pas de cosmétiques. Le panneau solaire, Alors ça, c'est la plasturgie, oui, tout ça, c'est problématique. Alors on peut dire, mais on peut remplacer avec des polymères qui sont issus de l'agriculture, etc., etc. Oui, je suis d'accord. Il y a un problème de passage à l'échelle. On peut remplacer du pétrole par un panneau solaire, on peut remplacer un carburant fossile par un carburant agricole, mais la question, c'est les quantités. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir la demande actuelle ? Voilà, pour maintenir le système en état, est-ce que cette transition est possible ? La réponse, c'est objectivement non. On ne peut pas remplacer 85% de quelque chose par un truc qui est la ligne du trait. On ne peut pas. C'est quelque chose, donc ça veut dire que ce qu'on nous vend, je vais vous citer des blagues, Total Energy, ce qu'on nous vend dans le marketing qui est « Oh, regardez le monde de demain, full éolien, full panneau solaire », c'est du mensonge, c'est du greenwashing, c'est faux. C'est de l'influence. C'est de l'influence qui a quel but ? Vu que c'est faux, c'est une influence qui va… C'est pas un vrai mensonge, puisque c'est vrai qu'ils mettent en place des panneaux solaires. Oui, mais c'est jamais pour répondre à la demande et jamais pour répondre à des personnes qui veulent sans cesse peut-être avoir un téléviseur, une tablette, des objets connectés. La 5G se déploie et les utilisations de la 5G vont se démultiplier. Et on va multiplier les usages de ressources, de minéraux, d'énergie. Mais ça ne peut pas répondre à ça, ne pourra jamais répondre à ça. Mais donc du coup, je comprends bien, il faut de la sobriété, clairement. Mais alors, désolé, mais pour l'instant, je ne vais pas vulgariser à tout le monde et certainement pas les gens qui regardent cette vidéo, je ne vais pas rabaisser tout le monde à ça, mais moi, pas plus tard qu'il y a 3 ans, mon objectif était d'avoir ma maison 4 façades avec ma PlayStation 5, avoir ma montre connectée, avoir mon téléphone, le nouveau téléphone sort, je vais le choper, la nouvelle paire de baskets de Jays, Michael Jordan, ça sort, je vais la choper. C'était mon objectif de vie parce que c'est ce qu'on me vend sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on me vend comme modèle de réussite et c'est ce qu'on vend encore aujourd'hui. C'est les paradigmes de ta civilisation. Tu aurais été au Moyen-Âge, tu aurais peut-être fait des pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, pieds nus, pour sauver ton âme et aller au paradis. Tu vois ? Et donc, du coup, c'est la nouvelle religion, ça ? C'est la surconsommation, là ? C'est une religion laïque. On a un dieu qui s'appelle croissance, ou qui s'appelle argent, ou qui s'appelle... C'est nos croyances centrales, et ça organise notre société. Oui, parce que tu parles du principe qu'une religion à une époque, et même toujours aujourd'hui en quelque sorte, enfin voilà, c'était surtout à l'époque des modèles d'organisation de société. Exactement. Aujourd'hui, la société est organisée autour de l'argent. On peut prendre cet exemple-là. L'argent qui, extractivisme, production, crée de la croissance. Donc la finance, l'argent, c'est
ce qui régit notre société. Donc, exactement. C'est notre religion aujourd'hui. C'est ça. Et donc, c'est notre croyance qu'avoir de l'argent va nous rendre heureux. Comme sauver ton âme au Moyen-Âge, oh, t'aurais rendu heureux. Tu vois, ben comme oui, faire des sacrifices aux dieux antiques aurait fait ton bonheur. Ouais, ça, la catharsis des peuples, les gens seraient sentis bien, ah, c'est bien, ça me fait du bien. Mais là, mais en fait, aujourd'hui, dépenser ta thune dans du shopping, etc., ça te soulage en quelque sorte. Tu valides tes croyances. Mais ça ne rend pas heureux. Jusqu'à une certaine mesure, parce que quand ton assiette est pleine et que tu as bien mangé, tu es heureux. Ah oui, quand tu n'as pas de soucis d'argent, que tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager, partir où tu veux. Alors après, tu affrontes d'autres problèmes, tes propres névroses, tes situations personnelles, etc. Mais avoir l'eau potable, avoir du chauffage l'hiver, avoir à manger, on ne va pas cracher de là-dessus quand même. Mmh. Aller à l'hôpital quand on est malade, tout ça, c'est important. Ce qu'on remarque, c'est qu'à partir d'un certain niveau de développement, c'est pour ça que le mot développement, pour le développement, ça ne veut rien dire, il faut toujours définir les choses. À partir d'un certain niveau de développement, les gens cessent d'y avoir une corrélation entre le bonheur et et les richesses auxquelles ils ont. Tu vois, si tu as 14 piscines, la maison de Cyril Dion... pas de Cyril Dion. Ah non, je ne crois pas qu'il a 14 piscines, Cyril la Dion. La chanteuse. Pas lui. Céline, ah oui. Céline Dion, elle est invendable parce qu'elle a autant de consommation de flotte que la ville d'à côté. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon, c'est... est-ce qu'elle est plus heureuse maintenant que son mari est mort, etc., etc.? C'est pas ces 14 piscines qui la rendent heureuse. Non, bien sûr. Tu vois. Mais on dit souvent ça, et je pense que pourtant, aller à la piscine avec des potes ou des copines. C'est cool, c'est cool, effectivement. Plus tout augmente ton niveau de vie, plus au fait t'es là et ça devient banal et t'es pas forcément heureux, donc on le comprend. Mais alors, comment se fait-il que, je vais être très vulgaire, ces putains de milliardaires qui ont une richesse, une opulence, quand tu vois comparé au reste du monde, qui est à vomir, et qui maintiennent le statu quo et qui veulent continuer à s'enrichir davantage en sachant qu'ils ont peut-être certainement compris que c'était pas le bonheur? C'est quoi ça, alors, du coup? Mais ça n'a rien à voir avec la richesse en soi. Tu as toujours dans une population différents types d'individus. Et donc, certains individus ont besoin de montrer leur statut plus que les autres. Ont besoin de dominer les autres, ouais. Ont besoin de s'exprimer. Mais etc. C'est beaucoup de notre système qui veut ça aussi. Hein. Donc, ces individus-là sont sélectionnés par la civilisation. Alors, si tu atteins la gloire, la reconnaissance, par exemple, en étant un grand samouraï, eh ben, tu vas aller sur les champs de bataille. Si la civilisation te dit, pour être quelqu'un de grand, reconnu par les valeurs de notre civilisation, il faut être un chef d'industrie du luxe, eh ben, et que c'est ça qui te fait kiffer, c'est celle-là où tu vas aller. Si tu dois être un conquistador et exterminer des populations et ramener des tombereaux, des galions entiers pleins d'or pour être reconnu par le roi, tu vas devenir conquistador. Oui, on dirait que ça, c'est des processus qui prennent du temps. La civilisation met du temps à s'installer. Au bout d'un moment qu'elle est installée, il y a ces gens qui ont besoin, peut-être un besoin pathologique, de reconnaissance. D'immortalité. Qu'on a tous en nous, hein. On a tous en nous plus ou moins ça. Hein. C'est vrai que ça fait gagner des milliards au loto, je ne suis pas sûr que tu vas. Si on met un contrat, est-ce que tu veux devenir immortel? Je trouve que pour l'expérience scientifique de se dire, ah tiens, je peux voir qu'est-ce qui va se passer demain et avoir une assurance que je ne vais pas mourir, je vais trouver ça cool sur le moment. Peut-être que dans le million, je vais me faire chier et que les gens, à chaque fois, je vais aimer mes enfants et mes enfants, je vais les voir mourir. Voilà, Là, il faut lire de la science-fiction, parce que c'est ces expériences de pensée-là. C'est ces récits-là qui permettent. Ont été faites en science-fiction, en long et en large, et c'est là où tu peux t'inspirer. J'ai été un grand lecteur de science-fiction, ce qui me permet d'essayer d'imaginer d'autres choses que ce qu'on a là. Mmh. Et du coup, quand tu peux te dire autre chose est possible, tu peux relativiser l'importance des choses. Ouais. Mais tu vois aussi ce qui est vraiment important. Je veux dire, un hôpital fonctionnel, c'est important. Casse-toi une jambe, tu vas voir, tu vas vite reconnaître l'importance d'un hôpital, même si tu n'y as jamais mis les pieds. On a remarqué avec cette pandémie à quel point l'hôpital peut très rapidement se péter la gueule. On a continué à fermer les hôpitaux, oui. Les hôpitaux, hein. Oui. Parce que l'inertie de notre civilisation est toujours là. Et donc, elle court. C'est comme un train que tu veux arrêter. Ce n'est pas parce que tu as serré le frein à main que le train il s'arrête comme ça, tu vois. Il est sur son élan. Et c'est là où on peut parler d'effondrement. On peut parler de l'effondrement de cette civilisation, de ces valeurs-là, de ces paradigmes, de ces croyances, etc., etc. Toi-même, tu me disais, il y a 3 ans, je faisais des choses que je ne fais plus aujourd'hui. En es-tu plus malheureux? Ça se discute. J'en suis plus heureux. Il y a... J'en suis malheureux parce que... Non, c'est intéressant. Et puis, on n'est pas là pour parler de moi, plus pour parler de toi. Non, mais c'est un exemple. Mais globalement, c'est beaucoup d'éco-anxiété. Et ce qui m'en rend plus malheureux, en fait, c'est d'avoir l'impression d'être le seul à prendre le train. Et quand tu vois d'autres personnes qui l'ont pris avec toi, tu les embrasses, tu les adores. Mais on est malheureux ensemble parce qu'on se dit, ah, il y a encore trop de gens qui ne comprennent même pas le geste, en fait, le mouvement.
Parce que ces gens-là valident tes croyances. Et ce qui te rend heureux, c'est que tes croyances, sont ta vision de l'unité, ta perception du réel, soit validée comme étant juste. Mmh. C'est ça qui rend heureux. Ouais. Donc tu es un gros obscurantiste climato-sceptique, ouais, ça c'est un complot mondial pour nous vendre des panneaux solaires. Tu rencontres des gens sur les réseaux sociaux Facebook qui sont d'accord avec toi, tu te sens bien, ça te valide, c'est une sorte de validation. C'est ça. C'est pour ça que ça marche très très bien, en fait, l'obscurantisme marche beaucoup dans ton truc. Et c'est tout le problème de notre civilisation actuelle avec les réseaux sociaux qui créent des bulles et qui, on parle de séparatisme, de fragmentation de la société. Oui, parce que les réseaux sociaux font exprès de mettre les gens entre eux facilement parce que ça crée des groupes, c'est plus facile pour leur vendre de la pub. Exactement. Et ça leur fait passer plus de temps sur les réseaux. Mais ça existait avant sur la place du village. Hein. T'avais ceux qui allaient à l'église et puis les anticléricaux qui allaient au café, si tu veux. Ça existait déjà avant. Mmh. Simplement, ça a intensifié ça. Et comme on est dans une civilisation qui est en train de perdre les pédales puisque les paradigmes auxquels elle croit ne sont plus opérationnels et que le réel est différent que la mythologie qui l'a fait tenir debout, cette civilisation, et que de plus en plus de gens sont en dissonance cognitive, constatent que les faits sont différents du discours. Alors il y a des gens qui sont très investis, qui y croient, tu as des gens qui sont des cyniques, qui n'y croient plus, et qui exploitent la crédulité des gens, et puis tu as des gens paumés. Ça, c'est la majorité des gens. Et puis tu as des gens qui perçoivent cette différence, qui sont mal, tu m'as parlé d'éco-anxiété, c'est ça, c'est se dire « merde ». J'ai un pied sur la route et un pied dans la voiture qui avance. Ça ne va pas aller longtemps, quoi. Il va falloir que je descende ou que je reste dans la voiture. Et la voiture, elle va vers le précipice. J'ai envie de descendre. Mais bon, on est à 200 à l'heure. Descendre, ça fait mal. Hein. 200 à l'heure. Ça fait moins mal que de rester peut-être potentiellement dans la voiture où tu prends un arbre en descendant. Voilà. Donc tu te renseignes. Tu regardes la vitesse, tu regardes la distance. Et puis tu regardes si tu es rembourré, comment tu pourrais sauter. Tu vois, tu te renseignes. Et c'est ça. Tu commences à changer ta perception du réel et tu commences à vouloir t'adapter à un réel, à une autre perception du réel, qui est peut-être fausse quelque part, parce que le cerveau n'est pas le réel. Hein. Nos représentations du réel, c'est toujours un peu faux. Oui, surtout quand on fait un mouvement pour quelque chose qui n'existe pas. Exact. Donc, je veux dire, la transition énergétique, la décroissance, quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui t'a inventé. Il y a plein de théories, etc., mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On sait que, comme tu dis, le train dans lequel on est, il est mauvais. La voiture dans laquelle on est, clairement, les faits aujourd'hui démontrent que ça ne va pas. Donc forcément, tu sautes, mais tu ne sais pas pourquoi tu sautes. Mais tu sautes en te disant, j'espère avoir mieux, tu vois. Et parfois, tu vas sauter, mais l'explosion de la voiture va quand même te ramener, tu vas quand même être touché. On va très très loin dans les métaphores, j'adore, c'est vraiment génial. Oui, mais comme on parle de choses que personne ne connaît, puisque ce sont des choses du futur et que personne n'en vient, tu es obligé de faire des hypothèses, tu fais des scénarios, tu vois, comme j'en ai fait toute ma vie et comme on en fait dans Collapsus et comme on faut qu'on en fasse. Et tu te dis, qu'est-ce qui vaut mieux ? Rester dans la voiture, sauter maintenant, sauter après, tiens, là, il y a l'air d'y avoir des fourrés, je vais peut-être attendre un peu. Mais ça n'est possible de faire des scénarios que quand tu vas directement prendre emprise sur le réel. Parce que tu as dit un truc super intéressant au début de notre conversation, quand tu t'es présenté, tu as parlé, ouais, le Club de Rome est tombé dessus, et justement, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Club de Rome, donc, c'est quelque chose qui a été quand même moqué à une époque, hein, il me semble, quand c'est sorti, on s'est dit, ah ouais, c'est quoi ces gens-là ? Dennis Meadows donnait la Meadows, Limits to Growth, limite à la croissance, qui ont du coup incorporé plein de données. Avec les calculs des flux, on parlait des flux, les calculs des flux actuels. Et on, à chaque fois, on appuyait sur Enter, vérifier qu'est-ce que ça donne, et on voyait toujours effondrement. Sauf si on avait une économie planifiée, où on attribuait des ressources et qu'on limitait les ressources, qu'on limitait les appétits des uns et des autres. Qu'on a fait avant. Bah avant, on était limité par la pénurie. Je veux dire, tu peux avoir tous les appétits du monde, s'il n'y a rien sur la table, tu ne mangeras pas. C'est ça, oui. Là, on avait la possibilité, dans les années 70, tout était sur la table. C'était un banquet incroyable. Et il y avait le choix entre une économie planifiée, où on réfléchit à attribuer des choses, on dit non, tu ne le mangeras pas tout de suite, tu le mangeras après-demain. Ou on y va à fond. Et on a été à fond. Alors, oui et non. De nouveau, il faut le définir. Oui et non. Alors, il y a eu une révolution, parce qu'il faut, par exemple, écouter le gloom discourse de Carter, Jimmy Carter. Jimmy Carter n'a pas été réélu. Mais Jimmy Carter avait installé des panneaux solaires sur la Maison Blanche. À l'époque de Jimmy Carter, déjà. À l'époque de Jimmy Carter. Quand tu me dis le Club de Rome, on s'en est moqué, oui, il y a eu des tas de prix Nobel d'économie qui l'ont défoncé parce qu'ils étaient en train de dire que ce qu'ils racontaient, c'était un peu de la merde. Concrètement, ils disaient que le système ne pouvait pas perdurer. Oui, et puis qu'il y avait plein d'erreurs dedans, qui ont été redémontées derrière pour dire que... Bon, mais... Concrètement, pour l'instant, on n'a jamais mis en défaut le système, en tout cas les prédictions des différents scénarios.
Évidemment, on n'est pas encore au moment où ça descend. Donc on verra quand ça descendra et on dira « Ah merde, ils avaient raison, mais ça sera trop tard. » Et donc tu avais des gens, ça s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, le rapport du Club de Rome. Mmh. Ça a inspiré des artistes, ça a inspiré toute une pensée. Ouais, la pensée écologiste, elle vient de là. Hein. Des films et tout, bien des sûr. Des films, ouais, etc. Ouais. Donc, et là, il y a des gens qui n'avaient pas intérêt à ça. Je vais donner des noms, Rockefeller. Rockefeller a fait fortune avec le pétrole, hein, c'est lui qui a mis en place, ça a été l'homme le plus riche du monde. Il a contrôlé le pétrole, c'est-à-dire la ressource ultime de la civilisation du XXe siècle. Bon, les enfants Rockefeller, ils étaient ministres des Finances dans les gouvernements américains, et ils finançaient par exemple l'université de Chicago, où il y avait une école ultra-libérale et Milton Friedman. Milton Friedman, l'école néolibérale qui dit que seule l'économie compte et que l'État doit servir l'économie et que l'économie apporte le bonheur des gens. Bizarrement, ils ont fait une école d'appli, un travaux pratiques en grandeur réelle au Chili. Hein, le premier travaux pratiques de l'école économique de Chicago, ça a été au Chili, où on a fait tout est privé, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas d'hôpital public, etc. Ah, donc ils ont fait un test grandeur nature. Ils ont fait un grandeur nature, et si tu n'étais pas d'accord, le Chili, quoi, 73. Okay. Donc tu vois, tu avais deux tendances opposées, irréconciliables. Parce que d'un côté, tu avais des nantis qui étaient en position de domination et qui ne voulaient pas d'un monde soviétique, parce qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide, donc une économie planifiée, ça veut dire soviétique. Donc, tu as des raisons émotionnelles de refuser ça. Tu as des raisons d'intérêt, de vision du monde, de philosophie, et puis d'intérêt tout à fait personnel, parce que tu es la famille Rockefeller, c'est quand même bien d'être maître du monde, voilà, franchement. Mm-hmm. Donc, tu as tous ces intérêts-là d'un côté. Tu as aussi toute une classe moyenne qui a accumulé de l'argent depuis la guerre, donc il y a toute une masse d'argent à investir. On ne va pas dire aux gens que cet argent est là, qu'on ne va rien en faire. Donc, hop, on fait tourner la machine à croissance. Mm-hmm. Tu vois ? Donc, il y a toute une dynamique qui est en place et qui, à court terme, c'est Laurent Testo qui dit ça, le capitalisme est une religion qui tient ses miracles. Qui accomplit ses promesses. Qui accomplit ses promesses, oui. Il te promet la prospérité et jusqu'à présent... La santé. L'alimentation. L'alimentation, etc. L'espérance de vie. La frugalité. Oui. Le prix qui est payé, c'est payé par les ressources naturelles. Donc tant qu'il y en a, ça marche. C'est mieux que les religions d'avant ou après la mort. Donc après la mort... Personne n'est revenu pour te dire si ça marche ou pas. Ouais, ouais. Et dans les civilisations antiques, ça ne marchait pas vraiment, vraiment. Tu fais des sacrifices à Zeus. Des fois, Zeus y répond, des fois, il ne répond pas. Hein. Donc, c'est quand même vachement attracteur, ce système. Tu vois, c'est un attracteur très puissant. Les gens ont du mal à se détacher de ça. On a du mal à tout simplement l'imaginer sans. Bah oui. Donc, le capitalisme a réalisé des miracles, et c'est la première religion au monde en fait, qui promet une prospérité à autant de gens, oui. Des milliards de gens sur Terre. Il y a des perdants quand même. Hein. Et il y a des perdants, oui, non, mais il suffit que j'aille voir dans mon pays d'origine, le Sénégal, on voit où sont les perdants, bien entendu. Mais il y a quand même des milliards de gens en Occident qui vivent bien, donc c'est ça qui est étonnant aussi, c'est que c'est une religion qui a accompli ses promesses pour beaucoup de gens. Où on a l'impression que moi je peux avoir ce que je veux, toi tu peux avoir ce que tu veux, le gars à la caméra là-bas peut avoir ce qu'il veut, et ma stagiaire derrière cette caméra peut avoir ce qu'elle veut, tranquille, elle fait son machin. Peut-être pas tout ce qu'elle veut. Peut-être pas tout ce qu'elle veut, mais beaucoup de choses qui lui permettent de se dire tranquille. Beaucoup de choses, beaucoup plus qu'un empereur romain. Exactement, mais c'est ça, on vit mieux que les pharaons. Imagine, t'es empereur romain qu'une rage dedans, moi j'échange pas ma place avec la sienne. Hein. Ah non, bah alors là à l'époque ça doit être un truc de ouf, mais forcément, et ce qu'on peut manger au quotidien, c'est beaucoup mieux que. On est d'accord qu'on est mieux loti que la personne la plus élevée dans le rang social à l'époque de l'Antiquité. Mais alors du coup, tout ça, c'est comme du sucre. On adore le sucre, mais à un moment donné, il faut couper. Et je parle pour moi, je suis un peu en régime là pour le moment. C'est faisable, c'est pas ça, mais c'est dur. C'est dur. Et quand je dis c'est dur, c'est que le sevrage est compliqué et que le pire. C'est qu'au-delà du fait que tu avais dit là tout à l'heure, ouais, à l'époque, un baril nous a rapporté 100, bah aujourd'hui, un baril, c'est 14. Mais au-delà de ça, on s'en fout de combien ça rapporte, faut les arrêter parce qu'on a le changement climatique, qui a un putain de symptôme, excuse-moi pour les termes, un putain de symptôme qui nous tombe dessus, qui n'avait pas été calculé par le Club de Rome non plus. Il n'avait pas été calculé par ces scientifiques. Non, t'as un des outputs des modèles, c'est la pollution. Donc, on peut considérer que tout ça, c'est de la pollution, puisque les gaz à effet de serre, ce n'est jamais que des déchets qu'on envoie dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. Et puis qu'après, à un moment où il y a une sorte d'effondrement, en tout cas qu'il y a une chute, la pollution diminue aussi parce que notre productivité diminue. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, la question maintenant, qui va être la suivante, est-ce que pour éviter l'effondrement de la biodiversité, est-ce que pour éviter que le système Terre se dérègle davantage et que le changement climatique, on puisse simplement le maintenir à son statu quo, vu comme nous faisons actuellement aujourd'hui les choses, est-ce qu'en fait, il ne faut pas simplement que notre civilisation
On va redéfinir qu'est-ce que veut dire s'effondrer, mais que notre civilisation s'arrête et s'effondre, en fait. Ou change. Ou change. Non, mais c'est important. S'adapter. Parce que s'arrête, tu proposes rien à la place. Si tu dis ça s'arrête, ok, et alors derrière on fait quoi? On va tous mourir. Là, il faut vendre quelque chose derrière. Tu vas avoir du mal à vendre ça aux gens. Hein. Oh, ça passera jamais. Si tu mais dis, après, t'as des gens qui sont en mode ouais, ça va péter, ça va. Mais oui, mais quelqu'un qui me dit ça va péter, je dis mais mec, attends, fais gaffe, tes médicaments, tes antihistaminiques quand tu vas te ramasser le printemps et que ton industrie pharmaceutique elle est plus derrière pour te faire tes antihistaminiques, tu vas être. Et tu vas mourir étouffé d'une bronchite parce que. Enfin, on se rend pas compte que. C'est compliqué, quoi. Tu vas souffrir. On sait ce que c'était une société renouvelable. Je veux dire, on l'a fait avant. Hein. Les gens du Moyen-Âge n'étaient pas plus cons que nous. Hein. S'ils faisaient des moulins avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès aux énergies fossiles, etc. Mmh. Ils n'avaient pas accès à certaines ressources. Donc une société renouvelable, à peu près en accord avec certaines limites, on sait ce que c'est. Mais alors du coup, est-ce que c'est... Parce que c'est pas vraiment... Je veux dire, c'est pas de dire qu'on va retourner au Moyen-Âge ou à ce type de truc. Non, sait plus que... Mais vraiment, tu sais, on arrive tout doucement à la conclusion de cette vidéo. Et justement, ton conseil pour les jeunes générations, mais surtout... Effondrement, oui, mais quoi derrière? Et toi, qu'est-ce que tu estimes qui doit arriver derrière? Alors, les paradigmes vont changer, la réalité change. Donc forcément, nos croyances, c'est comment supporter la réalité comme elle est. Donc tant que c'est abondant, on a des philosophies, des paradigmes qui nous font dire que tout ça, c'est très bien. Quand il n'y en aura plus, il faudra que tu inventes toi-même des raisons d'avoir envie de vivre et d'être heureux. Donc tu te diras, non, mais finalement, j'en ai pas besoin. Parce que de toute façon, tu l'as pas. Alors, t'arrêteras. De temps en temps, tu y rêveras peut-être. Ah, je veux bien, parce que pour l'instant, que ce soit les clips, les rappeurs, et je suis fan de rap, crois-moi. Ouais. Pour l'instant, on te vend, je vais à Phuket quand je veux. J'ai ma grosse voiture, j'ai mon machin. Et c'est toujours le modèle qui est un peu donné. Beaucoup, majoritairement. Tout. De toute façon, aujourd'hui, tu proposes à quelqu'un, tiens, tu veux percer sur Instagram, grave, et les gens aujourd'hui veulent percer, pourraient sponsoriser partout et n'importe quoi, de la malbouffe, tout ce que tu veux. C'est le modèle qui est vendu à une jeunesse. Qui est supposé aller militer pour son avenir climatique aussi. Ouais. Et qui veut rentrer là-dedans. Mais encore une fois, on va redevenir sur la définition des mots. Qui c'est la jeunesse? Ah, c'est large, ça n'a pas des larges, bien sûr. Si tu dis la jeunesse, on imagine un jeune. Non, il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout. C'est varié. Il y a des gens qui sont convaincus, des jeunes qui ne sont pas convaincus. Alors à quoi il doit ressembler ce monde d'après? Il y a des jeunes qui veulent être végétariens. Regarde, quand tu étais plus jeune, tu allais dans un restaurant, tu demandais un repas végétarien, un plat végétarien. Pour quelle idée, vraiment? Ouais, je vais te faire une salade, il est bizarre votre ami là. Ouais, aujourd'hui, dans toutes les cartes, tu vois un menu végétarien. Donc les choses changent imperceptiblement, mais de plus en plus rapidement, les choses changent. Donc qu'est-ce qu'on doit tous faire? Et c'est là où on a tous une responsabilité, c'est de pousser la roue dans le bon sens. Il y a ceux qui vont retenir la roue, tu parlais des climato-sceptiques. Oui, les lobbies, etc. Total Énergie, je la balance encore. Mais regarde, par exemple, les manifestes des étudiants en disant « Nous, on fait des études supérieures, on est l'élite intellectuelle du pays de demain, on ne veut plus travailler dans des entreprises crado. » Alors, après, qu'est-ce que c'est une entreprise crado? Ce n'est pas crado, mais c'est un signe qu'il y a des choses qui bougent. Et ces gens-là, quand ils font ça, ils poussent la roue dans le bon sens. Donc, on peut toujours critiquer, ceci, cela, mais ils poussent la roue dans le bon sens. Donc, tout ce qui va nous permettre de préserver la biodiversité, d'éviter une montée en complexité, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais plus on a de l'énergie à dissiper et plus on va fabriquer des infrastructures, que ce soit des infrastructures matérielles, des routes, des autoroutes, des machins, des avions, des aéroports, ou même des infrastructures mentales. Moi, j'ai monté ma petite entreprise de consultant il y a 2 ans. C'est pas pareil que d'aller voir quelqu'un derrière un guichet et de lui poser des questions que d'être là sur Internet en essayant de comprendre ce que te raconte un robot en disant « Est-ce que j'ai bien répondu aux questions ?» Non, pas du tout. Recommencer depuis le début. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, cette montée en complexité va être un problème. Si on nous parle de transhumanisme, et c'est pour ça qu'il y a un petit chapitre sur qu'est-ce que c'est le transhumanisme concrètement, dans le réel, pas dans les fantasmes. Devenir un cyborg, avoir une puce qui permet de zoomer avec ton œil. Je suis un cyborg, hein. J'ai été opéré d'une vertèbre, j'ai donc un morceau de titane dans les vertèbres, j'ai des dents qui ont été refaites, voilà. Il y a du synthétique. Je suis un cyborg, voilà, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est un cyborg? Tu vois, il faut bien définir. Parce que c'est du transhumanisme, ça, ce que tu viens de faire. Transhumanisme, c'est au moment où on arrête d'être humain. D'accord. Moi, je pensais que c'était une sorte d'amélioration. Les trépanations, les Égyptiens en faisaient pour soigner les gens. Et apparemment, les gens continuent à vivre derrière. Donc, tu vois, des interventions sur le vivant pour transformer le vivant, on a toujours fait ça. Dès qu'on a eu un peu conscience de nous-mêmes, j'ai du mal à te dire... À telle date, telle limite, telle chose. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une évolution très, très douce. Mais qu'est-ce qui serait souhaitable là maintenant? Qu'est-ce qui serait souhaitable
Tu as les données, tu sais, tu n'as pas bossé pour sur Collapsus pour rien. Qu'est-ce qui serait souhaitable là, maintenant, tout de suite? Alors, vraiment, je veux dire, conseil pour les jeunes qui se diraient « Merde, ok, je vois le truc, c'est le bordel, c'est la merde, je vulgarise et je compresse tout ce qu'on a dit. Quoi maintenant ?» Alors, on est sur la fin, donc je ne vais pas refaire un exposé de deux heures, mais le monde change. Il faut être conscient que ce monde change. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et se dire « Ouais, mieux avant. Je veux vivre... Ouais, » Alors, ok. C'était mieux avant, peut-être. Oui, enfin... Ça se discute, hein. Parfois, tu fantasmes un truc que tu n'as pas connu, hein. Mais exactement. On sait de qui on parle quand on dit tout ça. Bon, mais de toute façon, c'est mort. Le passé est mort. Donc, tu peux peut-être en tirer des enseignements, mais le passé est mort. C'est fini. Il est mort. Et alors, dire « On retournera au Moyen-Âge », oui. Enfin, je rappelle qu'au Moyen-Âge, il y avait du poisson dans les océans, il y avait des forêts, il n'y avait pas de réchauffement climatique, etc., etc. Donc, on ne reviendra pas au Moyen-Âge, puisque les conditions de la planète ont changé et vont continuer à changer. Donc, forcément, ça va être un inconnu. Point barre. Alors, cet inconnu se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il y a ceux qui roulent les yeux fermés et qui foncent sur l'autoroute, parce qu'ils ont une grande confiance dans leur représentation du réel, qui n'est pas le réel. Puis tu as ceux qui ralentissent, qui regardent, qui voient les panneaux, les panneaux de signalisation, attention, travaux, ralentissez, et qui lèvent le pied. Bon, voilà. Donc, premier conseil, se renseigner, ouvrir les yeux, etc. Alors évidemment, la différence entre tout le discours mythologique qu'on reçoit de cette société, de cette civilisation qui est en inertie, qui continue à progresser là, sur son inertie, eh ben, c'est difficile de faire, de faire le décalage entre la mythologie et la réalité. Et là, c'est l'éco-anxiété. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal, tous, hein, moi, toi, on a beaucoup de mal à faire ce pas-là, mais il faut se forcer. C'est douloureux. C'est comme douloureux, je sais pas, tu romps avec ta petite amie, t'as tes parents qui meurent. C'est douloureux. C'est douloureux. Le monde a changé, il n'est plus comme avant, il y a des choses qui sont passées. Faire un deuil. Il faut faire un deuil. Et ça passe par des étapes désagréables. Et parce que l'éco-anxiété, beaucoup de gens vannent ça en disant « Oh, les pauvres écologistes, c'est un homme qui a peur de perdre son emploi parce qu'il a des enfants, ou une femme qui a peur de perdre son job qui est lié à une certaine ressource qui diminue et qui perd son job et qui a quatre enfants à charge. » Le stress qu'elle a de perdre son job, etc., c'est de l'éco-anxiété. C'est une anxiété, en tout cas. C'est une anxiété. Et elle est éco, à partir de cette personne, fait ce lien, comme tu viens de le dire, qu'en fait, son insécurité provient de la diminution de cette ressource. À ce moment-là, elle se transforme en intérêt pour le monde et on va définir l'éco-anxiété comme le deuil du monde tel qu'il est et qui est en train de disparaître. Et qui ne sera plus. Et qui ne sera plus. Voilà. Quand les girafes vont disparaître, quand les éléphants vont disparaître, parce que c'est clair qu'à un moment, ils vont disparaître, c'est quasiment programmé, vu l'extension des populations dans les zones où vivent ces créatures-là. Mais on n'a plus d'auroch en Europe. Tu vois, l'auroch sauvage, ça n'existe plus. Je veux dire, on connaît les vaches, mais on ne connaît pas l'auroch. Bon, mais il faut une résilience, ça faut accepter, en fait. Donc il faut l'accepter, il faut l'intégrer, il faut faire les trois phases ou les quatre phases du deuil qui sont la dépression, la colère, la négociation et finalement l'acceptation. Tout ça mélangé, hein, ce n'est pas un modèle, c'est des allers-retours. Des fois, tu crois qu'on est sorti, tu retombes dedans. Oui, parce que c'est l'acceptation du réel comme il est. Et à partir de là, il va falloir être agile. Parce que le monde, on ne peut pas l'arrêter tout de suite, comme il est. Notre civilisation, là, si on dit, bon, on arrête le pétrole, on arrête le gaz, on arrête... Ça va drastiquement, on a des gros problèmes, bien sûr. Voilà, on est 8 milliards d'êtres humains. Notre alimentation dépend de ça. Ok, donc on fait une liste, et puis dans la salle, là, bah, voilà, on est déjà trop, donc hop, on raye tout le monde. Bon. Ou bien on dit, ok, ça va être difficile d'accepter le réel comme il est, mais il va falloir tous travailler. Alors, tous travailler, moi, je le définis... Touche le micro. Tu as trois niveaux. Tu as le niveau de l'intime, tu as le niveau social, et tu as le niveau politique. Mais politique dans le sens noble du terme, la gestion de la cité. Au niveau intime, tant que tu n'as pas fait ce travail personnel de regarder le réel en face comme il est, tu vois, elle m'a plaqué, mes parents sont morts, il y a moins de poissons dans les océans qu'il va y avoir de plastique. Voilà, ça c'est la réalité implacable. Tu peux l'ignorer, la réalité ne change pas pour autant. Quand tu es comme ça, ça ne suffit pas. Parce que tu es mal, parce que tu es en discordance avec les gens autour de toi. Et là, tu as besoin de passer dans le niveau social. Si tu restes avec des climato-sceptiques qui se foutent de ta gueule pour tes croyances, tu ne valides pas tes croyances, tu es malheureux. Donc tu vas commencer à changer tes amis, soit en essayant de les convaincre, soit carrément en changeant tes amis. Et c'est quelque chose que tu as dû constater en faisant cette prise de conscience. Donc, tu crées un groupe social.
comme on est dans une civilisation qui nie le réel et qui ne, n'offre plus un récit commun basé sur le réel, mais basé sur des mythologies, chacun fait ce travail-là en fonction de sa perception du réel. Mmh. Donc certains vont se replier dans la religion, d'autres vont se replier dans une fuite en avant technologique, d'autres vont devenir des écolos anarcho-zadistes, d'autres vont se dire, comme moi... Ils vont streamer sur Twitch. chacun va trouver sa solution. Mmh. Ce qui est important de comprendre, c'est que si déjà notre groupe social bouge et que d'autres gens arrivent à devenir quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des allers-retours entre le social et l'intime, c'est beaucoup plus facile de croire en quelque chose quand autour de toi, on croit la même chose. Un exemple que je donne souvent, dans les années 80, l'épidémie de VIH fait que les associations homosexuelles comme ACT UP disent « c'est plus possible, l'homosexualité est un problème moral, aujourd'hui c'est un problème sanitaire mmh. ». Il faut à tout prix que les gens arrêtent d'être honteux de l'homosexualité, etc. Et donc, on va faire accepter l'homosexualité comme un fait social réel qui a toujours existé dans l'histoire, de façon à ce que quelqu'un puisse dire à son médecin « Oui, j'ai le VIH, mais j'ai aussi des relations homosexuelles » ou à sa femme, ou enfin que les choses soient beaucoup plus claires et que ça arrête de ramper dans les coins noirs de nos tabous. Et de... Tu vois ce que je dis. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, dire « Je pense que ça ne va pas durer comme les contributions », après les années de néolibéralisme, Ronald Reagan, etc., donc les années 80, 90, 2000, eh bien je peux te dire qu'en 2014, tu disais ça, moi on me l'a dit, va voir un psychiatre. Parce que les croyances étaient constituées. Et moi j'arrive avec une pensée dissidente. Mmh. Donc je suis malheureux parce que je ne valide pas mes croyances et les gens me traitent de fou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, bah, je suis d'accord. » Eh bien, au moins... Ça évolue. Ça évolue. Grave. Et donc, l'important, c'est pas... ce que moi, je pense. Je suis d'accord avec ce que je pense. D'ailleurs, toi aussi, tu es d'accord avec ce que tu penses. Mmh. Ou alors, tu as un vrai problème. Mmh. Ce qui est important, c'est parce que toi, tu penses de ce que je pense. J'y ai pas accès. Donc, tu peux penser ce que tu veux de ce que je pense. M'en fous, quelque part. Ce qui est important, c'est ce que je crois que tu penses de ce que je pense. Si tu fais un, je suis validé, je continue. C'est ça, c'est sur si ce tu fais pourquoi tu un, je vais me calmer. Tu vas être réfractaire un peu. Voilà, je vais réprimer mes croyances et mes perceptions. Et ça va pas te rendre heureux. Ça va pas me rendre heureux. D'accord. Donc, dans ton groupe social, comme on n'est plus avec un récit commun, que ce récit commun se fragmente, et là, on peut parler d'effondrement des récits, etc. Il y a des gens qui ne croient plus à la croissance, il y a des gens qui ne croient plus que la pub est une bonne chose, etc. etc. et ils sont plus non plus. Et c'est vrai, parce que quand on te le met encore beaucoup, parce que ça t'agresse. Ça joue sur toi. Ça t'agresse, ça devient opprimant. Et donc, résilience. Parce que, voilà. Donc là, la résilience, c'est déjà de faire un groupe. Et là, quand plusieurs groupes commencent à avoir des croyances différentes, mm-hmm. tu rentres dans le troisième niveau, qui est la politique. Engagé, militant, changer les choses. Changer les choses, alors à ta mesure, tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie pour individuel, une cause. Individuel, social, politique. Et comme on est dans des démocraties, et que je pense que les démocraties sont quand même la meilleure façon politiquement de gérer les dissensus et les gens qui ne sont pas d'accord entre eux, par rapport à l'autoritarisme, je pense que l'Ukraine est russe, et donc, quand le système valide, politique valide et est validée par l'intime, puisque le bureau de vote, c'est un isoloir, tu as bouclé. Tu vois, tes croyances intimes font le système politique, font ton système social, font évoluer le système social. Le système social est géré, arbitré par le système politique, et tout ça, ça c'est tourne. C'est une excellente conclusion. Et c'est comme ça que tu fais évoluer les choses, vers autre chose d'inconnu. Individuel, ça commence par vous, votre groupe social. Et après, vous devenez engagé d'un point de vue politique. C'est une très belle manière de montrer les choses. Et waouh, Laurent, c'était puissant cette conversation. Et je sais qu'on pourrait faire partie 2, partie 3, partie 4. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres parties avec Laurent. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir Laurent Testo avec qui t'as fait le livre, ouais. Un de ces quatre en duo, ça doit être encore plus mindfuck. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, je compte sur vous. Il y a plein de vidéos qui sont disponibles. Et Laurent, j'espère que t'as passé un bon moment. Bah écoute, si je peux convaincre 2 personnes, c'est gagné. Je crois qu'il n'y en aura plus. Hein. Ouais. Je te fais un check. Je te remercie beaucoup. Ouais. Quelle est ta définition du réel ?